Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de GaraTest, l'émission où on te présente un nouveau jeu vidéo de notre plateforme GaraStore. Aujourd'hui, nous allons aller à l'aventure. Est-ce que tu aimes Indiana Jones? Est-ce que tu aimes Super Mario? Alors, j'ai un nouveau jeu aujourd'hui que je vais te proposer, Congo Dynasty. Tu es prêt? Allons-y, let's go! Oh, belle cinématique là. Wow, belle animation d'intro. Congo Dynasty. Nous retrouvons Congo. Pour la dynastie. Bref, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, mais voilà. Donc, nous voici au menu de présentation, menu principal de présentation du jeu. Donc, nous avons une map là et en bas, nous avons les différentes étapes, les différents stages. Il y a également le livre aussi qui clignote. On va cliquer dessus pour savoir de quoi il s'agit. Allons, cliquons. C'est pour raconter l'histoire. Au 16e siècle, le roi Mani Congo régnait sur le royaume Congo. Un grand et puissant territoire autonome, harmonieux et organisé au cœur de l'Afrique centrale et qui provoquait l'admiration de ses voisins. Le royaume était riche et se livrait à la culture du mil, de l'usine de bananes, d'igname, de palmiers à huile et on y élevait des chèvres, des moutons et des poules. Pour fonctionner, le gouvernement tirait ses revenus des impôts et du travail forcé qui se payait en toile de raffia, en ivoire et en esclaves. On y pêchait des coquillages appelés zimbou ou agents qui servaient de monnaie d'échange et d'objets de parure et de trésor au roi. Ces coquillages, monnaie de valeur, étaient introuvables ailleurs. La richesse du royaume entraînera plus tard la convoitise des explorateurs étrangers. Voilà un peu le bref résumé de l'histoire de Congo Dynasty. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'histoire avec la première étape. Let's go. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un platformer game. C'est un jeu de plateforme. Donc, les touches pour avancer, reculer. Voilà, avec notre petit personnage. La touche pour sauter. Voilà, c'est la touche pour sauter. On peut faire le double saut. Lorsque j'appuie deux fois, ça me permet de faire le double saut. Voilà, et je récolte de l'argent, je crois bien. Oh, il y a les sangliers qu'on doit éviter. Je pense qu'on peut les tuer avec les haches, mais je n'ai que 3 haches à ma disposition, donc je ne vais pas le terminer. On va aller, hop là. Et je me retrouve avec le grand sage. Le grand sage, qu'est-ce qu'il va me dire? Allons-y, let's go. Suivant ce qu'il va me dire. Donc j'appuie là. Bonjour, cher guerrier. Je suis le notable Mpoussou de la province de Mbata. Nous sommes à la recherche d'un masque ancestral précieux volé par un grand singe. Peux-tu nous aider à le retrouver? Suite à sa perte, la province fait face à plusieurs catastrophes naturelles, car tu as été choisi par les ancêtres pour accomplir cette noble mission. Cher notable, grâce à vous, je comprends pourquoi j'ai été téléporté jusqu'à cette époque. Sois-en sûr, vous pouvez compter sur moi pour rétablir la paix dans le royaume. Tu as mon soutien personnel, jeune homme. Je veux te guider jusqu'à l'accomplissement de cette mission. Bonne chance. Merci, papy. Ok, donc, ici, nous avons déjà récolté 10 calabasses. On a 3 vies, 3 cœurs. On a 6 hachettes. Continuons l'aventure. Toujours avec ce fameux sanglier qui ne veut pas nous lâcher la grappe. Oh, pourquoi je n'arrive pas à bouger là? Ah, j'étais un peu bloqué là. Ok, donc, ici je dois activer le mécanisme. Ça me fait trop penser au jeu. Ça s'appelait comment? Le jour où c'était l'ombre là. Où il y avait des mécaniques qu'il fallait mettre sous pied, qu'il fallait activer ou désactiver. Donc, ok. Donc, pour passer, je vais devoir... Oh! Erreur. Ok, reprenons le jeu. Bon, j'ai appelé au papy. Non, est-ce que c'est encore nécessaire de parler à papy? Bon, j'ai appelé au papy. Le jeu a vraiment une nouvelle très riche. Ok, on y va.
Bon, je pousse la boîte. Ok, super. Ça me laisse la possibilité d'avancer. Waouh, je n'ai... Ok, ça c'est quoi? Le point d'interrogation. Qui fut le fondateur du royaume Congo? Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que au moins on a lu la cinématique. Donc ceux qui vont passer la cinématique là, tant pis pour vous. Donc on a dit que c'était Mani Congo. On va prendre Mani Congo. Roi Mani Congo fut fondateur du royaume Congo. Yes! Donc en plus de nous faire jouer, on apprend également un peu de l'histoire du Congo. Alors j'ai un nouveau cadeau, une petite hache, nouvelle hache. Oh, où suis-je là? Donc je lance un peu ça. Ah d'accord, je comprends. Donc, je prends ça. Ce singe me casse la tête. Oh, il me cassait la tête, ce singe. Et son cri là. Yeah. Ok, bon, on y va. Waouh. On a peur de tomber. Waouh. Ce jeu est riche, hein? Non mais sans blague. Ce jeu est vraiment très riche. Bravo, j'ai validé la première étape. Premier niveau. Allez, deuxième niveau. C'est vraiment comme je l'ai dit, c'est vraiment comme Super Mario. Ah, d'accord. Wow. Il y a beaucoup de mystères. Et il me reste une seule vie. Comment est-ce que je pourrais faire? Je n'ai que 4 hachettes qui me manquent. Ok. Donc, je pense que ça peut aller. On y va. Oh. Ok. Voilà, je m'en vais. Bon, je n'ai pas de hachette là, donc 0 hachette. Oh, il m'a eu. Waouh, mais sans hachette là c'est compliqué, hein? Allez, l'univers est très riche, vraiment. Ça, chapeau à l'équipe, c'est un très très bon jeu. J'apprécie bien l'univers, j'apprécie bien les défis et tout ce qui va avec. Mais je n'ai pas de hachette là. Viens là. Oh, ah, j'oubliais que le feu là brûle. Ok. Donc, je rentre récupérer un peu tout ceci. Allez, passe. Ok. Viens, je t'attends. Allez, coup de hachette. Tu pensais que tu es qui? On saute. Ok, game over. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, là. Ouais, viens encore, je t'attends là. Je t'attends, viens. Et coup de hachette. Je pensais que tu es qui? Sauter là. Ok. Bon, je continue d'avancer. Je pense que... Game over, pourquoi? Ok, donc ce jeu est encore en version d'essai, mais je vous conseille, je vous recommande vraiment d'y prendre part. Parce que c'est un jeu très intéressant, avec un univers assez fourni, assez chargé. Il y a beaucoup de bonnes idées qui ont été développées. Et je pense qu'avec le temps, lorsque le jeu sera développé jusqu'au bout, ça pourra davantage être intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller la télécharger sur GaraStore, Congo Dynasty. Va jouer et écris en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce jeu. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!